Mieux vaut parfois, pour une demoiselle, faire pitié plutôt que faire envie. Les mouches viennent sur la chanceuse, non par amour, mais pour lécher le miel. Le sourire de la fortune n'est pas toujours bon présage. Mes nourrices m'ont rapporté que j'étais née avec une petite cuillère d'argent dans la bouche. Je ne sais si une telle merveille s'est produite, mais j'ai très vite su que j'étais la plus riche enfant de la contrée. Marie, demoiselle héritière de la Roche-Guyon, riche de tout et riche en prétendants. L'un d'eux, le vieux Michel, a convaincu mon père. En m'épousant, il a mis la main sur mes terres, mes coteaux, mes châteaux, ma vallée. Pendant des années, j'ai vécu cette misère. À La Roche, on ne suivait plus ma loi. Dans un étroit logis, j'étais recluse pour lui fabriquer des garçons. Je n'avais droit qu'à une robe qu'il me fallait rapiécer. Sachez-le donc, jeune fille. Mieux vaut parfois pour une demoiselle faire pitié plutôt que faire envie. Je me suis enfuie, telle qu'elle, avec pour tout défenseur mon chien Papillon, mon petit compagnon qui ne savait point mordre, plaider ma cause par devant le roi. Malgré ma robe percée, je me suis présentée. De la langue, à défaut d'épée, durant 7 ans, autant qu'un chevalier, j'ai fait railler. Le roi et ses hommes regardaient la queue du chien. Je n'ai pas lâché. Silence. Je craignais n'avoir pas victoire lorsque Dieu, lui, enfin m'a entendu. Michel a trépassé, tombé de la roche au profond des enfers. Je croyais recouvrer mon bien, ma liberté, ma vie, à nouveau déjà. On disait que je faisais plus envie que pitié. Mais entre-temps, nos fils avaient grandi. J'étais seule, j'étais femme, j'étais menue. Ils me criaient haut et fort qu'il me fallait renoncer. À leur tour, les rapaces ont saisi mes terres, mes coteaux, mes châteaux, ma vallée, pour mener la grande vie en insultant leur mère. Il ne me restait que mon chien Papillon, mon petit compagnon qui ne savait point mordre. Je suis retournée plaider ma cause par devant le roi. De la langue, à défaut d'épée, sans relâche, autant qu'un chevalier, j'ai fait railler. Je craignais n'avoir pas victoire, de m'en retourner dégoûtée, lorsque le roi a dit « Silence, Marie, cela suffit. Je te laisse choisir un mari. Une fois n'est pas coutume, prends celui que tu veux. » J'ai choisi Bertin pour me défendre. Et Papillon lui a fait fête et s'est mis à japper. Vous eussiez dû voir. On peut dire qu'à ce jour, mon sort avec eux fait plus envie que pitié. Demoiselle qui faites envie, et à qui l'on veut prendre ce que vous ne voulez pas donner. Ferraillez, ne renoncez pas de la langue à défaut d'épée. Le temps use des hommes la puissance, pour peu que l'on sache montrer un temps soit peu de récalcitrance. Bonjour tout le monde, je vous remercie de venir nous écouter. Puis-je vous présenter Valérie Desplaignes, autrice d'un mémoire de master sur l'héritage de Marie, qui lui a valu le prix Mnémosyne et l'édition de ce livre. Voilà. Alors, pourquoi Marie ? Marie, c'est une femme héroïque qui résiste dans un monde d'hommes, ne cédant jamais sur ce qui lui est dû. Quand commence l'histoire de Marie de La Roche, la guerre de Cent Ans s'achève. C'est la fin du règne de Charles VII. Nous sommes vers 1448. Marie a 14 ans. Valérie, qui est Marie ?
Alors effectivement, on se trouve à la transition entre le lendemain de la guerre de Cent Ans et l'époque moderne, et on va voir que Marie est au sein et au cœur d'un drame familial qui la touche directement et auquel elle participe. Elle naît vers 1434, son père est Guisset de la Roche, et comme on l'a vu tout à l'heure, il est alors exilé par contrainte de son château depuis 1419. Le château est occupé par le Boutellier qui décédera en 1434, et puis Guisset pourra récupérer par contre son château uniquement en 1449. De fait, Marie de la Roche ne grandit pas à La Roche-Guyon. Elle a pour mère Catherine Turpin de Crissé, qui est aussi issue d'une noble famille et d'un noble lignage, et dont on sait qu'elle vit elle-même sur ses terres, à la fois en Anjou, à Pomerieux ou à Angers, du temps même de son mariage avec Guisset de la Roche. Donc sa mère est déjà un modèle d'indépendance et d'autonomie qui, on le verra, va certainement influencer Marie par la suite. Elle est mariée toute jeune, mais à l'époque, c'est assez classique, à Michel d'Estouteville en 1448. C'est un lointain cousin issu d'un puissant lignage normand, tandis que Guisset de la Roche, donc le père, est chambellan du roi Charles VII. Héritière de La Roche-Guyon et ensuite veuve de Michel d'Estouteville, elle lance en 1470 une action en justice pour récupérer ses biens et elle se retrouve alors en procès contre ses deux premiers fils. Elle a 6 enfants nés de son mariage avec Michel d'Estouteville. Les 2 premiers sont des garçons. Ceux-ci refusent en effet de lui rendre ses biens et la privent de liberté. Elle fuit alors la résidence familiale avec l'aide de sa mère, Catherine Turpin, dont on a parlé tout à l'heure, avant de se remarier et de regagner ses propres terres. Entre 1471 et 1472, Marie de la Roche et son second époux, Bertin de Silly, réintègrent la demeure ancestrale et éponyme de la famille. Bertin devient donc seigneur de La Roche-Guyon, reprend en main la gestion des terres et seigneuries de sa femme, qui s'étendent quand même jusqu'aux confins du Mantois. Il obtiendra même du roi l'autorisation d'organiser 2 foires annuelles et 2 marchés hebdomadaires à La Roche-Guyon, et puis l'érection d'un grenier à sel apportant des revenus complémentaires substantiels. Donc de cette vie dense qui l'amène de château en château avant de s'installer définitivement à La Roche-Guyon, nous pouvons aujourd'hui restituer l'itinéraire grâce à la lecture des pièces du procès qui sont conservées jusqu'au milieu du XXe siècle dans le chartrier de La Roche-Guyon et qui sont dorénavant aux archives départementales du Val d'Oise. À noter toutefois qu'il n'y a pas dans les sources de pendant à l'enquête sur lesquelles mes travaux ont porté dans la partie du côté des Estouteville. C'est-à-dire que l'enquête qui me sert de base pour analyser la vie de Marie de La Roche-Guyon contient uniquement des réponses aux questions portées par des témoins du côté des deux Silly. Donc forcément avec une certaine faveur affichée envers Marie de La Roche. Et son époux, le deuxième, en tout cas Bertin de Silly. Alors, que représente la famille d'Estouteville au moment du mariage ? Alors, la famille des Estouteville est une famille qui représente un très grand lignage normand à l'époque. On connaît Louis d'Estouteville et son frère, qui est le célèbre cardinal Guillaume d'Estouteville, qui sont des petits cousins du roi Charles VII par leur mère, Marguerite d'Harcourt, qui est elle-même la nièce de la reine Jeanne de Bourbon. Louis d'Estouteville s'est d'ailleurs illustré comme capitaine du Mont-Saint-Michel pendant la guerre de Cent Ans, fait important puisque le Mont-Saint-Michel n'est pas tombé aux mains des Anglais. Singulièrement également et significatif du prestige de cette famille, ce seigneur a pu accroître sa fortune en ces temps de guerre. Donc Louis d'Estouteville, après s'être illustré comme grand défenseur de la Normandie, garda forcément des liens privilégiés avec le roi de France, tout comme ses fils après lui, dont Michel d'Estouteville qui épouse Marie. Louis d'Estouteville a fait restaurer l'imposant château de Valmont, qui sera un temps la résidence aussi du fils aîné de Marie de la Roche et de Michel d'Estouteville. Ce dernier, donc, c'est Jacques, fils de Marie et Michel, obtiendra d'ailleurs par le roi l'érection de la châtellenie en haute justice. Il est lui-même conseiller chambellan du roi, capitaine de falaise, comme son père Michel l'a été avant lui. Et il sert Louis XI dans les guerres menées contre les Bourguignons et les Anglais, participe à de nombreuses expéditions et est même blessé d'ailleurs en 1479.
Autre symbole fort de la puissance de ce lignage, la baronnie de Hamby, qui est héritée du matrilignage Pénel. Tout à l'heure, on a évoqué avec Perrette de la Rivière le fait qu'elle s'était vue confier une petite fille héritière d'une grande famille. Ça en fait partie. Et Michel a pu récupérer, en tout cas Louis d'Estouteville et son fils Michel ont pu récupérer la baronnie de Hamby en 1450, puisqu'il y avait eu 33 ans de confiscation de ce château par les Anglais. D'autres châteaux comme le domaine de Bricquebec, qu'on a vu défiler juste avant, sont aussi imposants et sont surtout confiés aux Puinais, puisqu'en Normandie, l'héritage se transmet aux fils aînés sans partage et avec un esprit de parage qui fait qu'on ne laisse tout de même pas de côté les cadets et la famille d'Estouteville a suffisamment de domaines pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc, de fait, les Estouteville, à cette époque-là, représentent, si ce n'est l'une des plus puissantes, mais en tout cas, vraiment un fort atout dans la noblesse normande. Alors, expliquez-nous les enjeux du litige. Donc, on se trouve à ce moment-là, lorsque Marie, du coup, devient veuve, on se trouve avec un cas de figure où cette femme qui jusque-là était sous le joug de son mari va pouvoir bénéficier et faire preuve d'une certaine forme d'autonomie et de décision qui vont lui appartenir puisqu'elle devient veuve. Donc autant la fille mineure et la femme mariée sont sous le joug et sous l'autorité de leur mari, autant quand elles sont veuves, elles peuvent prendre leurs décisions elles-mêmes. Donc après une union difficile auprès d'un époux aux inconduites répétées, puisqu'il est de notoriété publique que Michel d'Estouteville, effectivement plus âgé qu'elle, avait une vie légèrement dissolue, Marie va subir ensuite les mauvais traitements infligés par ses fils et par son beau-frère, Jean de Bricquebec, à qui elle a refusé le remariage. Elle décide alors de quitter la résidence familiale de Hamby à cette époque. Et c'est sa mère, Catherine Turpin, qui vient la chercher et l'accueille dans son hôtel particulier qui est situé à Angers. C'est dans ce contexte que s'ouvrent du coup des actions en justice. Initialement, l'objet du litige est double. Marie demande la restitution de son douaire et de ses meubles. Alors là, je vais aborder une partie un peu plus technique sur des définitions légèrement juridiques que je vais essayer de rendre un peu plus digeste que dans mon ouvrage. On distingue en fait à l'époque la dot, qui ne porte pas encore son nom, du douaire. La dot, notamment dans la coutume normande, constitue l'ensemble des biens apportés par la future épouse en vue de l'union. Elle en demeure propriétaire, tandis que le revenu de ces biens sont destinés à aider le futur mari à solder les dépenses du ménage. La coutume normande, puisque Michel d'Estouteville vit en Normandie, et donc dont dépendra le mariage, a adopté ce régime, dit dotal, qui veut quand même organiser la protection des biens de l'épouse et accorde du coup au mari la propriété complète de tous les meubles existants et immeubles acquis pendant la vie commune. Donc la puissance qui lui est reconnue sur la personne s'étend aussi sur les biens, c'est lui qui gère et administre les biens de son épouse, dont il est libre de disposer des revenus à son gré. Il bénéficie de l'usufruit des biens de son épouse, à condition de les administrer correctement, de ne pas les vendre. Et uniquement l'usufruit, parce que ces biens d'auto sont effectivement voués à être restitués à la dissolution du mariage, à la femme survivante. La dissolution du mariage à l'époque, effectivement, c'est lorsque l'époux décède, puisque le divorce n'est pas encore monnaie courante. Et pour garantir donc cela, la dot est soumise à des règles strictes de gestion et de conservation. Nous n'avons pas retrouvé le contrat de mariage de Marie et de Michel. Donc de fait, la nature de la dot n'est pas totalement connue. Toutefois, on voit au cours du procès que Marie va réclamer ses meubles et qu'elle estime le préjudice concernant à la fois ses biens d'auto et l'héritage, sa part d'héritage de son mari à bien 200 000 francs de sa part des meubles de la maison d'Estouteville. Donc la dot est quelque chose qu'elle attend après le décès de son mari, mais on a une autre notion importante
qui est celle du douer, puisque en fait c'est surtout ça qu'elle demande, enfin, c'est, en tout cas c'est la grosse partie aussi sur laquelle elle va demander à ses enfants qu'ils lui fassent retour. Le douer est une émanation directe d'une dot un peu différente, germanique, autrefois remise par l'époux à la famille de sa femme, à titre de compensation, puis directement à sa femme, lorsque nous avançons au cours du Moyen-Âge. Combinée avec un autre don moins important, cette forme de dot deviendra au Moyen-Âge ce qu'on appelle le douer. Il s'agit d'un droit personnel constituant en un usufruit viager sur les parties des immeubles familiaux de son mari. C'est-à-dire que à partir du moment où le mari est décédé, pour ne pas laisser les femmes sans recours et sans bien, elle peut utiliser une partie des immeubles pour vivre. On distingue deux types de douer, un conventionnel, un coutumier. Nous ne saurons pas, ici dans le cas de Marie, de quel douer exactement il s'agit. On sait par contre que le montant qu'elle demande est évalué une première fois à 72 000 livres tournois pour 18 ans d'arriérage. Elle le demande à partir de 1470. Les calculs sont faits en 1488 lorsqu'un premier accord est trouvé. Donc on a 18 années qui s'écoulent avant qu'une première décision ne soit posée. Donc 18 années, 18 ans pendant lesquels Marie va devoir se battre et demander et réclamer son dû. Parallèlement, la situation se complexifie un peu pour elle parce qu'elle ne peut pas rentrer pleinement en possession de ses terres qu'elle a héritées de son père, Guisette de la Roche, ou même acquises auprès de sa mère, Catherine Turpin, et de sa grand-mère, Perrette de la Rivière. On a vu tout à l'heure aussi, concernant Perrette de la Rivière, qu'elle s'était retirée de la vie publique et qu'elle avait laissé de côté certaines gestions de ses terres. Notamment, il s'agit ici de vente de certaines de ses possessions en faveur de sa petite-fille. Donc, à ce moment-là, Marie est mariée avec Michel, mais c'est bien elle seule qui est en propriété des biens transmis, vendus par sa mère et par sa grand-mère. Le problème, c'est que Michel d'Estouteville, lorsque le père de Marie décède, va vider les châteaux des meubles, d'une part, et surtout faire emporter, alors on ne le voit pas emporter lui directement ni donner l'ordre dans les sources, mais il ferait emporter du coup les titres de propriété des seigneuries, ce qui va poser souci à Marie lorsqu'une fois veuve et qu'elle est seule, quand elle va quitter donc ses enfants, ce qui va poser souci à Marie pour prouver qu'elle est la châtelaine et qu'elle peut donc reprendre possession de ses terres. Donc de fait, on arrive en 1488 et on a un premier accord entre les parties. Donc, d'un côté, on a Marie de la Roche-Guyon avec son deuxième époux. Et de l'autre côté, on a Jacques et Guy d'Estouteville qui reconnaissent enfin la demande de douer de leur mère comme légitime. Donc, de fait, il est accordé à Marie 50 000 livres pour compensation des meubles, bagues et joyaux, hein, parce que quand on parle de meubles et d'immeubles, à l'époque, dans les meubles s'entendent aussi les bijoux. Et il y a aussi l'importance des vêtements, des soieries, hein, qui ne sont pas négligeables. Donc 50 000 livres pour compensation des meubles, bagues et joyaux, et 50 000 livres à titre d'arriérage du douer en dédommagement de l'usufruit qu'elle n'a pas perçu. Donc les sommes sont bien en deçà de ce qu'elle avait estimé. Mais parallèlement, les possessions de Marie sont reconnues, les possessions qu'elle a héritées de son côté, donc de son père, de sa grand-mère et de sa mère, avec un partage déjà des terres qui est prévu en prévision de son décès pour pouvoir établir un héritage équitable, ça dépendra des parties, entre ses enfants nés du premier mariage et ceux nés du deuxième mariage. Effectivement, les enfants nés du premier mariage ne vont pas voir les choses tout à fait du même angle. Alors, comment expliquer le comportement des fils vis-à-vis de leur mère ? Alors, le comportement donc, des fils d'Estouteville, notamment, puisque c'est d'eux dont il s'agit, s'explique par plusieurs facteurs. Il faut déjà se remettre dans le contexte de l'époque.
où, à la fin du Moyen-Âge, on a une période vraiment charnière, avec du coup une noblesse qui détient encore l'essentiel du patrimoine foncier, avec aussi le clergé dont les membres en sont généralement d'ailleurs issus. Donc la reconstruction économique et sociale qui s'opère alors repose encore essentiellement sur la seigneurie, même si la ville contribue aussi à un essor économique qui peut rayonner sur les campagnes. Donc en matière d'évolution des fiefs nobles, excusez-moi, c'est mon fils qui n'apprécie pas, je pense, forcément le propos, qui en a marre depuis plusieurs jours de me voir plonger le nez dans mon livre, et qui voulait voir Marie de la Roche-Guyon en venant au château, donc il a fallu lui expliquer qu'elle était morte. Je vous laisse imaginer, il a 3 ans, donc ce n'était pas gagné. Voilà. Donc en tout cas, voilà, en cette fin du Moyen-Âge, on est donc sur cette période vraiment charnière, avec une reconstruction économique où la noblesse doit toujours s'appuyer sur ses biens et sur ses terres. On est sur une partie du territoire qui a été largement impactée par la guerre de Cent Ans. On a vu à quel point la Normandie avait dû faire front et à quel point aussi un château comme celui de la Roche-Guyon était essentiel et stratégique. Donc l'intérêt public vient encore à cette époque s'ajouter et même surpasser l'intérêt familial, en réminiscence avec l'origine de la féodalité. Donc le possesseur d'un fief étant aussi un homme d'armes qu'il faut toujours entretenir et qui assure en contrepartie une protection et un service sur son domaine. On voit que peu de temps auparavant, la noblesse est décimée à Azincourt. Chacun a en mémoire le décès de l'époux de Perrette de la Rivière. Et donc c'est pourquoi l'héritage de Marie de la Roche-Guyon est un objet de convoitise de premier ordre, et notamment le château, ici, et ses domaines afférents. Donc stratégiquement, et puis en termes de revenus aussi, puisque ce sont des seigneuries qui sont relativement prospères, même si elles ont quand même été entretenues et occupées par les Anglais, donc elles n'ont pas été laissées à l'abandon durant cette période. Ono aussi, qui est un peu plus au sud, sera une terre convoitée. Alors certes, ces châteaux sont vidés de leur mobilier par Michel d'Estouteville, donc on pourrait imaginer qu'à cette époque-là, lui ne souhaite pas les exploiter, mais il ne faut pas non plus oublier que, à l'image d'une cour itinérante, les châteaux, lorsqu'il y en a plusieurs au sein d'un lignage, vont être amenés à être résidence principale de façon, pas aléatoire, mais en tout cas épisodique. Donc, Amby est la résidence principale des Estouteville, le fief principal, l'image, avec quand même, on a vu tout à l'heure sur les images, des vestiges qui montrent la grandeur et le prestige. La Roche-Guyon n'est pas l'objet, le centre d'intérêt et de pouvoir de ce lignage. Toutefois, il est certain que les Estouteville souhaitent poursuivre l'extension de leur aire d'influence. Et sur cette carte, effectivement, on voit que Bricquebec et Amby sont vraiment complètement à l'extrémité. Et la Roche-Guyon, entre les deux, ça nous fait quand même une belle portion de territoire contrôlée par ce lignage. À ce moment-là, donc au moment où le conflit se déclare et où Marie de la Roche-Guyon cherche à se remarier, le roi n'intervient pas, il ne donne pas son veto, il ne s'oppose pas au remariage de Marie de la Roche-Guyon avec Bertin de Silly, ce qu'il aurait pu faire par l'envoi d'une lettre à son amie et féale cousine, puisqu'ils sont aussi parents éloignés. Ça, c'est à mettre aussi en relation avec le fait que les Estouteville ont pu passer de la lumière à l'ombre, sans toutefois jamais tomber en disgrâce, sous Charles VII. Ce dernier préfère un temps, par exemple, à Louis d'Estouteville du Noir, à qui il concédera le gouvernement de la Haute-Normandie, ou Pierre de Brézé, à qui il donnera l'office de grand sénéchal en 1451. Donc ce sont des adversaires de Louis d'Estouteville, et avec qui Louis d'Estouteville va se disputer le pouvoir local et dans le même temps les faveurs royales indispensables à leur domination sur la Normandie. Louis d'Estouteville décédera quelques années plus tard. Les grandes familles nobles ont donc tout intérêt à asseoir autant qu'elles le peuvent leur pouvoir terrien, à l'instar de Jacques et Guyon d'Estouteville, soutenus dans cette entreprise par leur oncle Jean. C'est aussi important pour eux de montrer qu'ils peuvent diriger et décider de ce que va devenir Marie de la Roche.
De fait, celle-ci fait preuve d'une méfiance absolue envers ses deux premiers fils, Jacques et Guy. Elle accuse même ses enfants d'avoir voulu attenter à sa vie. On a dans les pièces de l'enquête des détails qui sont donnés sur les mauvais traitements qu'elle subit, et ces détails notent une tentative d'empoisonnement avec la mention d'une figue qu'elle aurait ingérée, qui l'aurait rendu malade, et d'un médecin qui lui aurait donné une autre figue qui l'aurait guérie. Bon, aucune preuve n'en est apportée, nous n'avons trace d'aucune procédure autre en justice concernant cette tentative d'empoisonnement. Somme toute, à l'époque, cette accusation ne revêt pas un caractère exceptionnel. Cette pratique tend à se développer. C'est aussi une pratique répandue et facile à utiliser en proximité. C'est un crime non violent qui peut être prémédité et discret. Mais symboliquement, l'idée d'empoisonnement est surtout associée à l'idée de trahison. Donc un tel recours ne semble pas incohérent dans notre cas. Des fils ne peuvent décemment pas provoquer leur mère en duel. Pourquoi ne pas tenter de l'empoisonner? Toutefois, Jacques et Guy d'Estouteville portent aussi attention à leur réputation. Et ils sollicitent ensuite régulièrement, et cela apparaît aussi dans l'accord de 1488, que leur mère cesse de tenir des propos désobligeants à leur égard. Donc, quand ils acceptent un partage des biens et de restituer une partie de son douaire, en échange, ils demandent à ce qu'elle arrête de tenir des propos désobligeants et de les accuser. On voit apparaître au fur et à mesure des jeux de rôle et des stéréotypes donc, qui se manifestent tout au long de l'enquête. On va citer comme autre exemple du coup, le départ de Marie du château de Hambye. Donc Marie est présentée comme partant seule, n'ayant qu'une seule femme de chambre, ayant pour tout vêtement son habit de deuil, usité, qui plus est, et non rien d'autre que son petit chien, effectivement. Le nom du petit chien est noté dans les sources, donc il s'appelle bien Papillon. Toutefois, il faut savoir que Marie n'est à cette époque-là pas toute seule. Elle part avec sa mère, qui est venue la chercher depuis Angers, et accompagnée de ses fils, qui vont sécuriser le trajet. Donc, à première vue, la conduite des enfants laissant leur mère dans le dénuement semble impardonnable, mais on peut aussi se dire que ce départ peut être vu comme une sorte de mise en scène qui, à terme, joue en faveur de Marie. Si elle veut pouvoir réclamer son dû, elle doit prouver qu'elle est partie sans rien, en fait. De plus, la marque de la noblesse et le respect de la dignité de son rang doivent faire valoir à Marie d'être entourée d'un certain nombre de serviteurs, et insister sur ce point montre que les Estouteville ne respectent pas sa personne. Si elle n'a personne autour d'elle, c'est qu'ils ne la traitent pas correctement. Les enfants semblent pourtant s'être acquittés d'un devoir important, celui de la vêtir suite au décès de son mari. En effet, c'est aux enfants que revient, aux héritiers en tout cas, que revient la charge de payer les vêtements, qui peuvent être coûteux, hein, parce qu'on est sur une famille de très haute noblesse, répondant ainsi à l'obligation de décence qui veut que la femme affiche publiquement la douleur d'avoir perdu son époux. Donc il convient aussi de montrer que Michel d'Estouteville est pleuré par son épouse, ce qui dans les faits ne semble pas être le cas. Une fois installé à La Roche-Guyon, on peut aussi voir des visites répétées des fils aînés qui sont mentionnées. Elle reçoit plusieurs fois la demande de pardon de ses fils, avec aussi une mise en scène parfois ritualisée, en présence de l'oncle, qui est vraiment très 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 présent auprès de ses neveux, qui fait figure d'intermédiaire et montrant que les fils font humilité devant leur mère en adoptant une posture de soumission tête nue. Elle ne pardonne pas, elle montre là encore sa force de caractère, un peu à l'instar de sa mère et de sa grand-mère, et plus exactement, elle pose des conditions. Si elle pardonne, il faut qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait compensation et donc restitution de ses biens et de son duaire. Il apparaît aussi clairement dans les sources que Marie de la Roche ne porte pas la même opinion ni le même jugement sur ses deux fils. Alors là, on est sur une enquête. Les éléments qu'on recueille, en fait, on les recueille en 1502, donc c'est après le décès de Marie de la Roche-Guyon, mais les éléments portent sur les années passées et cela plus sur l'année, sur les années 485-489. Donc à ce moment-là, Jacques,
donc le fils aîné, semble excusé de ses agissements passés en raison de deux motifs qui sont avancés par sa mère. D'abord la maladie, qui apparaît comme une punition divine et qui le fait expier par la souffrance des fautes qu'il a commises envers sa mère. Donc de fait, elle n'a plus besoin de lui en vouloir. Et enfin, l'atténuation de la responsabilité de Jacques. Il est présenté comme complice de son frère Guy et presque comme victime du pouvoir de persuasion de ce dernier. Ce que l'on voit lorsque Marie insiste sur le fait que Jacques n'aurait pas dû croire son frère. Guy est donc désigné coupable par sa mère, voire même comme un manipulateur usant de la préméditation. Cela dit, Jacques est mourant, il décède en 1489. Donc est-ce qu'on peut poser l'hypothèse que, de fait, elle doit attaquer et continuer à attaquer pour prévenir le fait qu'elle sera opposée après uniquement à Guy? Ça reste une hypothèse. On a également une question d'honneur importante qui transparaît et qui peut expliquer le comportement des fils. Il faut défendre avant tout le lignage des Estouteville. Car après la mort de Michel, Marie dénonce l'inconduite de son époux. Elle l'accuse de lui avoir imposé la présence de femmes dissolues et lubriques qu'il entretenait, voire installait au château, à proximité donc de sa femme. Ce comportement est, semble-t-il, connu. Même un curé en témoigne et dit que Michel d'Estouteville est très toi, c'est-à-dire que femme, très mal, comme on disait communément, au du pays. Donc finalement, ce n'est pas l'infidélité qui génère tant le scandale, mais la dénonciation par la veuve de son humiliation et le fait qu'elle le porte à connaissance et en écrit sur... en tout cas, ce sera figé dans l'écrit par rapport au témoignage. Donc on a autant d'enjeux sous-jacents qui nourrissent la pérennité d'un conflit sur des décennies et qui mobilisent aussi divers lieux, divers coutumes, puisqu'on est sur différents territoires. Alors, la multiplication des juridictions complexifie le conflit. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la coutume de Senlis et le droit coutumier normand? Alors après vous avoir expliqué un petit peu dot et douaire, on va passer sur un niveau encore un peu plus abstrait. Mais je vais essayer d'être un peu brève quand même. Donc on a vu que les territoires d'implantation des châteaux allaient de l'Anjou au Vexin français et à la Normandie. Donc nous sommes à l'époque à la veille de la mise par écrit des coutumes, qui aura été décidée en 1454 par l'ordonnance de Montilly-les-Tours. Mais les coutumes ne sont pas encore harmonisées et elles restent très attachées à l'oralité et à ce qu'on appelle aussi des enquêtes en tourbe, c'est-à-dire qu'un groupe de conseillers, de praticiens et avocats est entendu et donne son avis sur des questions juridiques pour rendre un verdict unanime sur des points de coutume en lien direct avec le litige. Comme ici, par exemple, les questions de douaire et de dot pour savoir comment, dans telle contrée, cela s'organise et se fait de façon coutumière. Les juridictions, donc ce sont les bailliages et les sénéchaussées, sont celles auxquelles sont rattachés les fiefs. Donc les terres restent l'apanage des nobles et elles sont liées aux coutumes. Lorsque Marie épouse Michel d'Estouteville, elle rejoint un lignage normand, donc elle relève ensuite de la coutume de Normandie. Cette coutume de Normandie prévoit un droit d'aînesse, une égalité entre héritiers et l'indivisibilité du fief. C'est une des plus anciennes coutumes qui aura été mise par écrit dès la fin du XIIe, mais qui garde vraiment des spécificités locales et donc encore fortement imprégnée de l'oralité pour pouvoir indiquer les différences entre le pays de Cotentin, par exemple, ou le pays de Caux. C'est une coutume qui est majoritairement dédiée aux hommes, avec un régime d'égalité qui leur est favorable, avec une plus grande rigidité en ce qui concerne les filles, qui sont clairement, radicalement exclues de la succession de leurs parents, vouées simplement à être dotées et mariées, avec des dots, cela dit, conséquentes. En Vexin français, par contre, ce sont les coutumes de Senlis qui s'imposent, pour le territoire de la Roche-Guyon notamment. Et on retrouve des influences liées à la coutume normande, mais avec des points qui viennent nuancer les effets. Il y a par exemple la faculté d'avantager ses enfants par donation, par le contrat de mariage, par le testament.
de même que le partage par tête. Et là, on est sur une coutume égalitaire entre les filles et les garçons pour cet avantage par tête. D'où le fait que plus tard, les filles de Marie de La Roche-Guyon, nées de son mariage avec Michel d'Estouteville, parce qu'elle a deux fils et quatre filles, vont pouvoir demander aussi à avoir leur part des héritages sur ce secteur. C'est aussi dans cet esprit que l'accord de 1488 prévoit du coup la dévolution des domaines de La Roche-Guyon aux enfants nés du deuxième lit de Marie. C'est-à-dire que là, on se sert des coutumes pour pouvoir justifier le fait de répartir des biens. Et donc, les biens de La Roche-Guyon n'iront pas aux enfants d'Estouteville. Il y a aussi une autre coutume qui est sollicitée, puisqu'on a des territoires à Rochefort et Honneau qui dépendent de la coutume de Montfort-l'Amaurie, en pays chartrain. Donc le legs ici entre époux est reconnu, mais restreint à l'usufruit. L'héritage au conjoint survivant y est plus favorable qu'en Normandie, même s'il est aussi réduit aux acquets et aux conquêts. Donc, concrètement, ça veut dire que le mari de Marie, Bertin de Silly, par exemple, pourra revendiquer d'avoir 50% des biens qu'ils auront pu acquérir en complément ensemble. Les pourcentages sont bien moindres sur des territoires comme la Normandie, voire inexistants. Marie de La Roche ayant obtenu ses châtellenies seigneuriales, donc Honneau et Rochefort, non par héritage direct, mais par acte de vente du temps de son mariage avec Michel, on voit là encore un nœud juridique, puisque les enfants de Michel vont vouloir réclamer une part de Rochefort et Honneau, à titre d'héritage non pas de leur mère, mais de leur père. Voilà. Donc toutes sont des coutumes marqué par l'influence du droit féodal, et en matière de droit de succession, les coutumes reflètent les préoccupations de la noblesse en privilégiant le lignage au détriment du ménage dans la transmission des patrimoines, comme on le voit ici. Donc, le retour des biens dans la lignée dont ils sont issus est aussi privilégié. Dans l'accord de 488, on aura mention que si Marie meurt et qu'il n'y a pas de descendants directs, etc., les biens reviendraient aux Estouteville. On va sauter à la fin, puisqu'il paraît qu'on a mangé notre temps. Alors, on va un petit temps de questions-réponses, quand même. Pardon, excusez-moi. C'est passionnant, donc on ne voit pas le temps passer. Mais on va donc filer à l'héritage de Marie. Alors, du coup, pour l'héritage de Marie, donc, il faut se remettre en condition et savoir qu'elle donc, s'est mariée une première fois, a refusé ensuite de se marier avec Jean de Bricbec, puis s'est mariée une deuxième fois avec Bertin de Silly. L'accord de 1488 donc, a permis de dissocier et de partager les territoires entre ses biens d'un premier lit et les biens d'un deuxième lit. Ces biens sont donc répartis et figés en 1488, mais de nouveau dénoncés après la mort de Marie, à la fin, toute fin du siècle, par Guy d'Estouteville, le fameux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui souhaite reprendre possession d'un certain nombre de territoires. Le procès, du coup, va continuer, et ce, jusqu'en 1447. Donc, on voit qu'il y a plusieurs générations qui vont se battre et s'affronter pour ces questions. Finalement, c'est le roi Henri II qui va poser l'acte final et en homologuant le partage initial de 1488, qui permet du coup à ce que les terres de La Roche-Guyon et d'Honneau restent dans le lignage de Silly, donc à l'avantage de Bertin et de ses enfants. Donc, je vous propose des questions. Pas de petits doigts qui se lèvent. Une question simplement, pour rester dans le timing, si certains ont une question. Vous avez été très clair, vous ne posez même pas de questions. J'espère. Alors, je vous remercie pour la clarté de vos explications. J'ai entre les mains le livre « Prêté gentiment par la femme » de M. Kenville et annoté par lui. Et si vous voulez vous en procurer, il faudra vous en enquérir sur les sites de deuxième main.
s'est pu éditer. Et maintenant, quelques dizaines d'années plus tard, Antoinette de Ponce est comtesse de La Roche-Guyon.